Les profs de français peuvent aussi avoir la cote sur les réseaux sociaux. Valérie Strominger est professeure de français dans un collège de Jonzac. Depuis 2015, elle réalise des vidéos de cours d'orthographe et de grammaire destinées aux adultes. Sa chaîne connaît son petit succès, Bruno Pilet et Cécile Landé. C'était le livre, c'était Haïté. Sur son canapé, une fois par mois, Valérie réalise ses vidéos et des petits conseils d'orthographe. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Dis donc, tu es prof de français, comment ça, ça s'écrit? Quel est cet accord ?» Et donc j'expliquais beaucoup. Et je me suis dit « Bien, pourquoi pas le faire pour que plus de personnes puissent le regarder ?» Et depuis 2015, c'est chose faite avec cette chaîne qu'elle a créée sur Internet. Alors, présent du subjonctif, ça a l'air d'être quelque chose de très compliqué, mais ça ne l'est pas du tout, et vous l'employez tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont de très mauvais souvenirs du français à l'école, et finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas si difficile que ça, et ça leur donne confiance en eux. Quand ils doivent écrire un mail, quand ils doivent faire un PowerPoint, ils ont confiance en eux parce qu'ils savent le faire. Et quand elle n'est pas sur le petit écran, Valérie est une vraie prof de français, comme ici dans ce collège de Jarnac, avec toujours cette envie de partager son savoir. Avant le verbe, on cherche le... Oui, oui, je l'ai entendu d'ici. Le sujet, super. Ce sont des enfants de 6e, alors que mes vidéos s'adressent à des personnes adultes. Voilà. Et puis il y a le contact humain, il y a toute l'interactivité que je n'ai malheureusement pas dans les vidéos. Une enseignante qui fait l'admiration de ses élèves, qui sont aussi ses premiers fans. C'est assez bizarre, c'est vrai, parce que, enfin, on a l'impression qu'elle est assez connue, c'est assez marrant. Dans les vidéos, elle explique des choses qu'on n'a pas vues. L'enseignante charentaise compte aujourd'hui plus de 26 000 abonnés sur sa chaîne. Et c'est bien professeur de Jarnac et non de Jonzac. Fin de ce journal, merci, bon après-midi et à demain.